Donc, un groupe de parole en psycho-oncologie, c'est la réunion de personnes qui ont ce point commun d'être toutes atteintes d'un cancer. Alors, dans ma pratique, j'essaye quand même un petit peu de distinguer différents types de groupes, plutôt des groupes pour des gens qui sont en début de traitement ou en surveillance, et puis que je vais différencier d'autres groupes pour des malades en situation de récidive ou d'évolution plus grave de leur cancer. Donc un groupe de parole, c'est donc l'occasion de rencontrer d'autres personnes sensiblement dans la même situation que soi. Et je veux dire déjà par là de trouver une certaine forme de réassurance. On n'est pas tout seul, il y a un effet miroir. Et puis on va pouvoir échanger des expériences. Expériences autour de la maladie, de l'annonce de la maladie, des traitements. L'autre intérêt du groupe de parole, c'est de permettre aux gens d'établir des liens entre eux. Et ils vont pouvoir à ce moment-là échanger des choses autour de leur vie personnelle, la manière dont ils relationnent avec leurs proches, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Ils vont aussi pouvoir échanger sur la façon dont ils dialoguent avec leur médecin. Tout ça, ça va être des échanges très fructueux sur la manière de vivre au quotidien la maladie. Dans les groupes de parole que j'anime, il n'y a pas de programme préétabli. Tout peut être dit. C'est un peu comme l'auberge espagnole, on y mange ce qu'on y amène. Je tiens cette formule d'une patiente, conjoint, enfant, parent, collègues, les relations aussi avec les soignants, il y a une place importante qui est donnée, naturellement, les gens parlent de ce qu'ils vivent à l'hôpital, et tout ça pour, essayer de s'en sortir au mieux dans cette période de leur vie qui est, somme toute, quand même encore très difficile, quoi. La dynamique se trouve essentiellement entre les participants. Et puis pour toutes les questions, d'ordre médical, bien entendu, elles sont renvoyées vers les oncologues. Et ça, c'est quelque chose qui est assez qui a surpris un petit peu au départ, parce que les oncologues étaient assez réticents sur l'idée de mettre en place des groupes de parole. Est-ce que elles n'allaient pas, remettre en cause un petit peu le pouvoir médical, quoi. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement la participation régulière à un groupe de parole facilitait le dialogue entre le malade et les médecins.